Bonjour à tous. Juste peut-être deux mots pour introduire Converteo et cette intervention. Donc je suis Guillaume Baudin, je suis senior manager chez Converteo. Converteo, nous sommes un cabinet de conseil en data marketing. On accompagne de nombreuses marques sur des sujets de collecte, traitement puis activation de la donnée. Voilà, tout simplement, donc juste en quelques mots. Et puis du coup, je me permets peut-être de laisser Sabine et Mathieu se présenter également, qui participeront ensuite à une table ronde du coup, sur le sujet de l'attribution. Bonjour, donc moi c'est Sabine de Gorcy et je travaille chez Canal+, donc je ne vais pas présenter Canal+, on connaît, mais je vais juste insister sur le fait qu'effectivement on était sur un modèle avec engagement et là on passe de plus en plus sur un modèle sans engagement avec des nouvelles offres digitales. Et donc je suis responsable de la partie acquisition de trafic digital, donc plus performance, au sein de la direction commerciale. Bonjour, Mathieu Vrette, je travaille à Orange France, à la direction digitale B2B, et j'ai en charge les projets Big Data, notamment la vision omnicanal, donc comprendre les parcours de nos clients, que ce soit sur des touchpoints digitaux ou des touchpoints offline traditionnels, que ce soit des interactions avec nos conseillers clients, quand ils appellent les call centers ou lorsqu'ils arrivent en boutique physique. Du coup, nous allons parler du multi-touch attribution et surtout de la mesure du média finalement aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous propose une dizaine de minutes sur lesquelles on va passer en revue les éléments que nous avons pu rédiger dans le benchmark BG sur ce sujet-là. Et puis derrière, ensuite, nous interviendrons avec Mathieu et Sabine afin de comprendre la manière dont ils ont décidé d'utiliser ces technologies de mesure média. Comment est-ce qu'ils les ont déployés et les résultats éventuellement, en tout cas ce que ça impacte dans les organisations en termes de résultats. Juste pour démarrer, je souhaitais qu'on commence par la base, à savoir redéfinir ce qu'est l'attribution et puis ensuite ce qu'est le multi-touch attribution. L'attribution, dans un premier temps, c'est évidemment de valoriser une action et de réussir à lui donner un résultat finalement. Si on prend ce cas de figure-là, on peut avoir plusieurs résultats suivant le regard que l'on donne sur une visite ou sur une interaction publicitaire. En tout cas, lorsqu'on a globalement une interaction paid search, par exemple, avec un clic, derrière, ça peut potentiellement générer une conversion et donc on attribue cette conversion-là à ce levier. Donc l'idée, évidemment, c'est de pouvoir réconcilier la donnée. C'est un enjeu qui est extrêmement fort, de pouvoir faire le pont entre ce qui est ad-centrique, donc côté livraison publicitaire des impressions et des clics, et derrière avec ce qui est site-centrique, donc des arrivées sur site, des visites, des temps passés, etc., jusqu'à potentiellement une conversion. Si on passe sur la partie multi-touch, l'idée c'est de pouvoir reconstituer les parcours, de réussir à identifier un individu finalement, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit le touchpoint qu'on a réalisé avec lui, de l'impression publicitaire jusqu'à la visite sur site, etc., et d'être en mesure de pouvoir réconcilier le parcours pour savoir quantifier le nombre de touches, finalement, la durée également entre les touches de la campagne publicitaire jusqu'à la conversion comme objectif final. Donc si on prend l'exemple ici, potentiellement, on a touché d'abord un individu une première fois sur le social media, par exemple sur Facebook, et puis derrière, on l'a peut-être retouché via une campagne programmatique sur DV360. Il est peut-être passé sur notre site, il a peut-être commencé à visiter, passé un peu de temps dessus, mais il n'a pas converti pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Peut-être qu'il n'était pas dans le bon contexte personnel pour pouvoir acheter et convertir. Et derrière, malgré tout, il est venu faire une requête sur le search. On a pu l'identifier sans doute, se dire que c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît et donc l'accompagner jusqu'à une conversion. Donc l'idée, c'est de pouvoir reconstituer ce parcours. Donc c'est un enjeu qui est assez fort, de pouvoir identifier l'ensemble des touchpoints, l'ensemble, le rôle de chacun des touchpoints, pour pouvoir ensuite mieux piloter peut-être le média. On identifie ensuite plusieurs modèles qui permettent d'évaluer finalement une conversion, une action, une interaction avec un individu. Des modèles qui sont assez classiques, les modèles que vous connaissez tous, de se dire on a potentiellement du last click, du first click éventuellement, et puis après tout ce qui est linéaire, modèle en U, etc. Vous les connaissez, ce sont des modèles qu'on peut mettre en place assez facilement, qui peuvent déjà permettre de se poser des questions, se dire finalement si un levier il intervient à tel moment ou à un autre, peut-être que le social intervient un peu plus en amont quand le paid search intervient plutôt à la fin. Ça permet en tout cas de le valoriser et de pouvoir ensuite mieux challenger son achat.
Derrière, on peut se dire que ce n'est pas suffisant et que parfois, il faut rajouter un peu des informations business supplémentaires pour pouvoir aller plus loin finalement, parce que ça ne suffit pas toujours de se dire « Ok, je l'ai touché une fois sur du paid social, mais finalement, à quel moment je l'ai touché réellement ? Dans quelle action il était ?» Et puis après, on peut aller sur des modèles algorithmiques qui, pour le coup, vont se baser sur l'historique et qui vont permettre de pouvoir vraiment qualifier et quantifier de manière plus précise chacune des touches pour ensuite évaluer réellement quel est son rôle dans le consumer journey de l'individu. Et derrière, ça a un objectif sans doute d'améliorer le pilotage et stratégique et opérationnel. Au niveau des technologies que vous pouvez retrouver dans le benchmark, donc plusieurs outils SaaS ont été interrogés. Vous avez l'ensemble du détail dans le livre qui vous a été distribué hier. On ne va pas forcément toutes les passer en revue, mais voilà, il y en a plusieurs que vous connaissez évidemment avec Adloop, Wizali, Lerian, Mix Commander ou Masberry. Elles ont toutes été interrogées. C'est une façon de travailler sur du multi-touch attribution, puisque ces sociétés-là cherchent à réconcilier l'ensemble des points de touche qui soit ad-centrique et site-centrique. Derrière, il existe une autre solution également de le faire, c'est potentiellement lorsqu'on est en stack complet, un stack technologique tel que celui de Google ou d'Adobe ou autre en tout cas, lorsqu'il y a une technologie qui nous permet de réconcilier l'ad-centrique et le site-centrique pour identifier l'ensemble des touches, pour pouvoir justement évaluer à quel endroit est-ce qu'on a communiqué avec un individu, quel rôle ça a eu dans le consumer journey entre la première touche, le premier contact finalement et la conversion finale. Donc c'est aussi une possibilité de matérialiser des modèles. Ces modèles-là généralement sont faits dans des data lakes et derrière ensuite nécessitent de la data viz pour pouvoir évaluer et challenger les résultats. Derrière, finalement, aujourd'hui, un modèle d'attribution, il n'est pas parfait. On va sans doute en parler un petit peu avec Mathieu et Sabine. Il y a des biais aujourd'hui qui existent dans la collecte et le traitement de la donnée. Malgré tout, ça reste un outil qui permet de faire plusieurs choses, qui permet déjà de challenger le mix, de se poser des questions sur son mix au global, de se dire est-ce que finalement, pour aller augmenter de X% mes conversions, est-ce que je n'ai pas besoin d'augmenter un peu plus mon search, appuyer dessus, ou alors, à l'inverse, augmenter peut-être un peu plus tout ce qui est branding et notoriété pour d'abord faire connaître mon service, mon produit. Donc ça peut être un élément qui est assez fort. Ensuite, c'est comment le déployer finalement pour que la stratégie se transforme en opérationnel. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'aux mots-clés, par exemple, et se dire y a des mots-clés qui sont plus forts et plus importants que d'autres, sur lesquels il faut insister en search, sur lesquels il faut être agressif, plutôt que de regarder uniquement la visite et se dire qu'une visite performante, c'est une visite à 30 centimes. Peut-être que dans certains cas de figure, une visite à 2 euros peut être très pertinente, mais pour ça, il faut pouvoir l'évaluer, l'identifier et se rendre compte de son rôle, finalement, dans le consumer de journée. Et derrière, en fait, en termes de pilotage, souvent, ce sont des outils qui sont plutôt itératifs, sur lesquels on a besoin d'échanger. Ce n'est pas un outil clé en main qui va donner un résultat directement. Souvent, il faut le challenger, se poser des questions, mettre en place des tests, et ensuite, voir les résultats que ça donne. Donc, c'est vraiment un outil test and learn. Quelle que soit la solution que vous choisissez, généralement, ça demande du temps, justement, pour pouvoir se poser les questions et embarquer plusieurs équipes. Et justement, maintenant, je propose qu'on échange avec Sabine et Mathieu sur leur problématique, la manière dont ils ont opéré ces stratégies-là et dont ils les opèrent toujours. Et donc, le premier point, déjà, c'est de comprendre quelles solutions vous avez choisies, mis en place, et puis qu'est-ce que ça a entraîné en termes de change management, d'organisation en interne qui a été impactée. Je vous laisse vas-y, Sabine. Moi qui commence. D'accord. Alors, nous, on démarrait, en fait, chez Canal+, il y a quelques années. On avait intégré une solution site-centric, Adobe, pour ne pas la nommer. Et on avait un petit peu de soucis avec cette solution pour mesurer toute la partie attribution publicitaire en sachant qu'elle n'intégrait pas la vision impression. Donc du coup, on était à la recherche effectivement d'un outil qui intégrait cette vision-là et qui permettait effectivement d'avoir toute la vue dédupliquée de nos différents leviers. Donc du coup, on a intégré la solution Eulerian. Et on a pu suivre derrière, effectivement, toute cette vue d'attribution depuis l'impression jusqu'à la conversion derrière. Donc nous, ça nous permettait aussi, effectivement, un petit peu de challenger notre agence,
d'avoir en interne la visibilité des lancements réels des campagnes et des performances derrière, tant sur la partie impression, clic, visite, et puis toutes les interactions intra-site jusqu'à la conversion. Et alors, sur le modèle d'attribution, alors on s'est posé effectivement pas mal de questions. Aujourd'hui, on est encore sur un modèle last click. Donc nous, effectivement, dans la solution, il y a plusieurs modèles disponibles. C'est le modèle last click qu'on utilise nous aussi pour regarder et pour rétribuer certains partenaires à la performance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Cette solution, nous, l'avantage, c'est aussi qu'on peut l'ouvrir effectivement aux partenaires. Donc chaque partenaire peut avoir un accès à ses stats pour visionner les performances des actions qu'il monitore. Donc ça, c'est assez important pour nous parce que du coup, tout reste transparent. Notre agence a également l'accès puisque nous, pareil, c'est vraiment... les stats de cet outil qui font foi dans toutes les rétributions qu'on opère. Et on regarde également, du coup, le parcours dans sa globalité avec tous les touch points. Mais effectivement, on se pose pas mal de questions et on a des problèmes, du coup, de staff interne. On n'est pas assez nombreux pour faire toutes les analyses qu'on souhaiterait faire, mais on espère en faire davantage. Okay. Du coup, côté Orange B2B, le contexte est un petit peu différent. Donc déjà, on adresse un marché d'à peu près 1 400 000 clients pro PME. Le canal digital, c'est un canal de distribution parmi d'autres, même s'il est en progression. On constate qu'on a quand même nos clients qui ont certains besoins d'avoir des contacts humains et du coup d'être rassurés ou de parler de leurs besoins qui peuvent être des fois complexes. Avec des conseillers, et du coup, tu as parlé, Guillaume, vraiment des composantes site-centric, ad-centric. J'ajouterais qu'il y a une composante pour nous qui est clé sur notre marché B2B, c'est la composante offline-centric. Et c'est pour ça qu'on est, parti sur une approche plutôt full-stack. L'idée, sur la partie site-centric, on a migré vers Google Analytics, donc on a des rapports de conversion. On est plutôt effectivement avec un modèle last click d'attribution. On s'est posé la question, voilà, est-ce qu'avec le multi-touch attribution et c'est, du coup cette plus-value algorithmique avec notamment des chaînes de Markov, on peut arriver à mieux évaluer l'apport de campagne display. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et également, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on peut aussi arriver à attribuer l'impact de nos campagnes display, du SEA et du digital au sens large sur les ventes offline ? Parce que par rapport à notre marché pro PME, les ventes offline représentent une grande partie de nos ventes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu la même approche que la tienne, Sabine. On n'est pas parti sur une solution SaaS. Et du coup, j'ai choisi d'être accompagné par un cabinet de data science afin de travailler sur des modélisations et voir ce que ça donnait avant de partir sur des choix d'implémentation et d'industrialisation plus structurants et plus impliquants. Donc on a mené une mission en mode un peu fast-track de 5 mois qui a permis déjà de montrer que le multi-touch attribution en termes de modélisation algorithmique permettait de mieux représenter la valeur en termes de conversion online, là je parle vraiment du MTA online, des campagnes display. On a pu le surévaluer à 16% sans vraiment retoucher vraiment les canaux et les chemins de conversion. Donc on n'a pas adressé les problématiques de biais du direct, on a vraiment juste fait un MTA online pour voir ce que ça donnait. Et déjà, on avait des résultats assez positifs, juste on l'a fait assez rapidement. Mais le cœur de la modélisation, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de modéliser l'impact du digital au sens large, sur la partie offline-centrique, donc vraiment sur nos ventes, qu'elles soient menées, qu'elles aient lieu dans des boutiques physiques ou en call center. Si on revient sur les genèses du projet et sur la mise en place, quel est l'impact que ça a eu en termes d'organisation, qui a été impacté finalement par le sujet ? Est-ce que c'est un sujet qui est uniquement pour toi, Sabine, côté acquisition par exemple, ou est-ce que d'autres équipes ont été impactées ? Alors au moment de la mise en place, effectivement, c'était assez centralisé sur la partie acquisition, même si effectivement on a intégré aussi l'IT qui avait un rôle très fort là-dedans, mais effectivement, tout le suivi était plutôt de notre côté. Nous, on s'était fait accompagner
par une agence spécialisée dans la partie analytics, en fait, pour tout ce sujet-là. Après, on a eu voilà, pas mal de coordination aussi à faire avec les agences et nous-mêmes. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Je ne sais même plus combien de temps, mais au moins 6 mois, je pense. Voilà, et du coup, côté Orange, alors moi, je vous dis, hein, je ne suis pas dans les équipes acquisition, mais j'ai plutôt en charge des projets Big Data. Et du coup, j'ai travaillé avec des collègues qui travaillent sur ces sujets, ces problématiques d'acquisition, pour bien cerner, identifier, travailler sur ces use cases. Et ensuite, alors déjà, j'ai attendu, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce poste, mais on a mis un certain temps à pouvoir constituer un data lake, à collecter des données online via des données de web tracking et des données offline, avec, pour rien vous cacher, un SI B2B qui est très complexe, avec pas mal d'adhérence avec le SI grand public, par rapport à des systèmes d'authentification, etc. Je vous passe les détails. Mais finalement, le fait de pouvoir réconcilier ces données online et offline, qui est le nerf de la guerre, ça, c'est structurant, ça prend du temps, donc on y arrive, on progresse pas à pas. Et donc il a fallu vraiment que j'implique aussi les équipes des SI, pour qu'on ait on a ce qu'on appelle un hub data, c'est une plateforme big data sur laquelle on fait ces réconciliations et sur laquelle on développe certains use cases métiers. Donc on ait ce hub data qui soit relativement mature pour pouvoir mener cette mission d'attribution. Et ensuite, la décision, c'était de faire appel à un cabinet de data science expert dans ces méthodes de mesure, pour avoir un œil de personnes vraiment expertes sur notre sujet, sur l'apport du NPT online, et également sur des premières modélisations de l'apport du digital sur les ventes offline. Donc c'est quelque chose qu'on construit pas à pas. Je vous ai dit, hein, c'est une mission qu'on a menée en 5 mois. C'est le début d'une roadmap. Je sais que l'industrialisation va prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus structurant, parce que une des grandes complexités de cette mission, ça a été de naviguer entre les rouages de différents process, notamment avec nos équipes IT. Donc on y est arrivé, mais on voit qu'il y a encore pas mal de travail pour définir cette feuille de route et passer à l'industrialisation. Ça va prendre un peu de temps. En termes de pilotage aujourd'hui, quel impact ça a sur le quotidien finalement des équipes un peu plus opérationnelles? Est-ce que ça les impacte réellement? Est-ce que c'est uniquement un outil qui permet de prendre des décisions chez vous d'un point de vue stratégique et du coup de modifier un mix média? Quel est l'impact finalement dans le quotidien des équipes? Alors nous, on regarde les stats quotidiennement, donc ça c'est logique. Et effectivement, les différentes équipes qui suivent un petit peu ce sujet, donc principalement l'équipe acquisition, forcément l'équipe analytics également. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de personnes, donc on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut. Et puis, nous, on a une équipe aussi qui gère toute la partie DMP. Donc, cette équipe-là aussi est intégrée à tout ce suivi-là. Et donc, opérationnellement, nous, on est vraiment non-stop sur l'outil. L'agence également, puisque on regarde toutes les analyses à l'intérieur de cet outil. Et puis, tous les partenaires avec lesquels on travaille, effectivement, regardent aussi ces stats-là. Donc nous, c'est vraiment notre outil de base pour voir effectivement l'efficacité des dispositifs qu'on intègre. Alors nous, on regarde différents KPIs. Effectivement, on a un système de pilotage avec des leviers d'accroche, donc plus le display, et puis des leviers de conversion, plus le retargeting, affiliation, etc. Et c'est vrai que du coup, on va y associer des KPIs différents selon les leviers, donc que ce soit visite, taux de rebond, temps passé ou conversion. Donc chaque levier a son KPI, et son KPI est mesuré dans cet outil, en fait. Donc c'est un peu comme ça qu'on regarde, et de façon mensuelle, on va regarder un peu les différents touchpoints issus des campagnes qu'on a pu mener et des conversions qui se sont réalisées. Donc vraiment, tout le monde suit fortement cet outil. Donc il y a effectivement un suivi aussi derrière, puisque un suivi technique à avoir, puisque effectivement, si on fait des modifications dans les tagages sur le site, il faut qu'on vérifie si tout est bien, si tout se déverse correctement dans l'outil. Voilà, donc il y a tout un suivi derrière à maintenir.
Donc voilà, c'est pas toujours facile. On dit clairement, derrière, il y a quand même ce suivi-là qui est important et qui va derrière impliquer des éléments clés. D'accord. Donc côté Orange B2B, nous, on n'est pas l'état de pouvoir faire ce suivi quotidien. Néanmoins, avec les premières insights que j'ai évoquées, tant sur la partie MTA pure online que sur la partie métrique pour montrer l'apport du digital sur les ventes offline, ça va nous servir pour monter un dossier et le présenter au CODIR, donc la direction Entreprise France. Cette direction, c'est la direction qui est le canal de distribution pour nos clients pro, PME, entreprises milieu de marché. Et ça va nous permettre de maintenir, voire un peu réévaluer notre budget d'acquisition sur tout ce qui est paid media, SEA et campagne display online. Ensuite, va se poser la question de, voilà, en termes de pilotage, on a différents KPI en gestation, qu'est-ce qu'on va suivre pour vraiment comprendre en quoi nos actions sur le digital, que ce soit sur des parcours, notamment, on a pas mal fait un focus sur le cas de client qui faisait un upsell ADSL vers fibre, comment on va pouvoir suivre l'impact de nos transformations, pas que ad-centrique, mais aussi site-centrique sur les parcours, en quoi ça va impacter et permettre d'accélérer sur l'apport de leads ou de ventes sur le canal offline. On a au final deux visions assez différentes, une vision un peu plus opérationnelle, une vision un peu plus stratégique et long terme. Une question peut-être pour Sabine, d'un point de vue opérationnel pur, comment l'a vécu l'agence ou les agences l'arrivée d'une nouvelle valeur finalement de conversion, une nouvelle valeur d'attribution? Est-ce qu'ils ont réussi à l'intégrer, à la comprendre? Est-ce qu'ils l'ont challengé? Est-ce qu'ils le pilotent aujourd'hui sur cette valeur à 100% ou est-ce qu'ils émettent des doutes sur cette valeur? Comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien? Alors du coup, l'implémentation, en fait, ils n'ont pas eu tellement le choix. On avait décidé, donc on l'a intégré. Après, ils apprennent à utiliser l'outil de plus en plus. Donc, c'est pas un sujet. Voilà, c'est un fait qu'aujourd'hui, on monite depuis cet outil. Donc, tout le monde joue le jeu. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, effectivement, c'est que quand on regarde cet outil-là, il peut y avoir des biais aussi selon les modes d'achat qui ont été intégrés. Alors nous, on le sait bien, effectivement, sur Facebook, il n'y a pas la notion d'impression, il y a aussi des biais de Safari qui ne donnent pas toutes les données, etc. Donc on sait qu'il y a des évolutions qui sont un peu néfastes pour tout ce suivi-là, en fait, d'attribution. Donc l'idée, c'est de comprendre ce marché-là, de bien être au fait de ces éléments-là avant d'établir, en fait, derrière des... le fait de couper tel ou tel acteur. Voilà, il faut bien avoir en tête, effectivement, tous ces biais-là. Nous, je sais qu'il y avait des sujets aussi à des moments où, avec notre retargeter, on n'avait plus la notion d'impression, donc c'était faussé par rapport à d'autres retargeters qu'on opérait en même temps. Voilà. Il faut bien intégrer aussi le fait d'avoir ce suivi-là, en fait, de modes d'achat et de comprendre les modes d'achat les uns par rapport aux autres pour bien avoir cette vision contribution et que ça ne fausse pas les résultats derrière. Donc après, nous, le fait de pouvoir ouvrir l'outil effectivement aux partenaires, il y a toute une transparence. Donc du coup, il y a des questions qui se posent, hein, c'est sûr, on se les pose ensemble, etc. Ça nous permet aussi d'avancer sur certains points. Mais voilà, il n'y a pas trop de sujets, de débats en fait sur ces sujets-là. L'idée, c'est d'avancer ensemble et effectivement, nous, d'augmenter notre volume de conversion. Donc, on fait le constat à la fin. Quelles sont les prochaines étapes une fois qu'on a mis un modèle, ça tourne globalement ou alors on est déjà en train de se poser des questions d'un point de vue stratégique? À quel moment on se dit c'est terminé? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit bah, ça y est, tout tourne, c'est bon, le gros du boulot est fait? Non, c'est jamais fait, en fait, ça tourne toujours. Mais donc, moi, comme je le disais, en fait, nous, on a besoin aussi d'être aidés en interne dans toutes les analyses qui peuvent être menées. Donc, on essaye d'avancer et de trouver, en fait, des partenaires internes pour nous aider sur toutes ces analyses. Donc, nous, ça va être ça, notre avancée, en fait, de se faire aider en interne et de comprendre d'autant mieux tout le parcours de vente ou de non-vente, surtout, d'ailleurs.
Voilà. Mathieu, de ton côté, les prochaines étapes, une fois que les résultats sont bien appréciés par toute l'organisation? Alors, déjà, on est dans une phase, je dirais, d'évangélisation sur ces résultats, puisque bon, déjà, le digital, ça ne part pas forcément, ou je dirais que la compréhension que ces modèles algorithmiques d'attribution, il faut l'expliquer, que ce soit des directeurs marketing ou d'autres décideurs. Et une fois qu'on aura bien fait passer les messages sur cet impact du digital, l'idée c'est de passer à une phase, je dirais plutôt, de roadmap data, de feuille de route pour commencer à industrialiser ces métriques, ces modèles d'attribution et les intégrer dans nos pratiques. Alors j'ajouterais aussi que dans le cadre de cette mission, il y a eu aussi certaines parties exploratoires, notamment on a pu, avec toutes les données qu'on avait collectées sur ce data lake, online et offline, modéliser des modèles de scoring d'intention d'achat, et on voit, alors ça nous a permis de façon indirecte de remontrer également que les campagnes display étaient clés, puisque ça permettait d'avoir une probabilité d'intention d'achat supérieure à une personne non exposée à une campagne display, donc ça rajoute un élément de preuve. Bon, après il faut être assez didactique pour l'expliquer dans des temps des fois très réduits auprès de directeurs ou directrices marketing. Mais après, l'idée, c'est vraiment de passer à la vitesse supérieure pour un pilotage data-driven, et aussi de montrer aux équipes IT, grâce à ce type de use case, on valorise tous les travaux qu'on mène avec vous sur cette plateforme interne, et pour aller plus loin, on est capable de justifier ce type de ROI, et ça peut vous donner des budgets, donc c'est aussi intéressant pour vous de nous aider, de faciliter nous aider à accélérer là-dessus en affinant la connaissance des datas, en collectant plus de data et en étant partenaire. Donc, il y a vraiment eu un esprit de co-construction entre ce cabinet externe de data science, des équipes IT, une data analyst dans mon équipe, des équipes d'acquisition ou d'autres personnes. Et c'est vraiment en mutualisant les forces qu'on arrive à passer le cap de ces différentes contraintes, parce qu'on a plein de barrières, je dirais, et de process et aussi technique pour arriver à sortir des insights intéressants. Néanmoins, je dirais que c'est vraiment le début de l'histoire et ça nous permet de bâtir une roadmap, que ce soit pour l'ES2 2019, voire 2020. Tu parles de scoring d'utilisateurs. Aujourd'hui, justement, on est de plus en plus dans une communication personnalisée. De plus en plus, on parle de DCO, d'audience marketing, de data marketing et de scénarii de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez encore d'un point de vue macro l'intégralité des performances, ou est-ce que vous commencez à segmenter pour se dire que il n'y a peut-être pas un, mais plusieurs modèles à avoir suivant l'individu, suivant si c'est un prospect chaud, un client peut-être à embarquer sur une offre complémentaire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réflexions dans ce sens-là? Oui, c'est-à-dire qu'à l'instar du marché grand public sur lequel il y a pas mal d'initiatives pour aller vers du marketing one-to-one, côté B2B, on voit, enfin, justement avec ce type de modèle de scoring où finalement on va au-delà d'un simple modèle de je retarget telle personne parce qu'il était sur telle page, mais finalement je prends en compte l'ensemble des données que j'ai collectées sur différents touchpoints, qu'ils soient online ou offline, et je rajoute dans le modèle des données comme le secteur d'activité, est-ce qu'il est dans une zone qui est bien couverte par la fibre, etc. Et ça nous permet de voir qu'on peut avoir des politiques d'adressage, que ce soit par le marketing direct, sur la partie personnalisation on-site ou d'autres façons de communiquer avec le client, qu'on peut vraiment scénariser cette relation à partir du moment où on a des modèles de scoring fiables ou aussi, une vue 360 unifiée. Après, côté B2B, je l'ai dit, mais il y a une vraie complexité sur la partie SI. Sur la partie digitale, c'est plus à notre main. Côté métier, on maîtrise certaines choses, mais faire parler tout ça, ça demande du temps, notamment là où on vient de migrer vers des V360, donc ça va nous aider aussi dans ces KPI de bout en bout, entre l'exposition à une pub et jusqu'à une vente offline, à mieux comprendre ce qui se passe. Mais on voit que tout ça demande du temps, de la compréhension, que ce soit par les experts techniques, voire aussi par des experts métiers, pour donner du sens et vraiment, prioriser par rapport à nos roadmaps, que ce soit côté personnalisation, campagne display, etc. Alors moi je suis sur la partie vraiment de prospection pure, et nous effectivement on a une nouvelle DMP depuis un an, donc on utilise vraiment, on va dire à plein, enfin on essaye en tout cas, et donc on a
effectivement, ce travail d'audience de plus en plus fin, qu'on utilise après derrière sur tous les leviers qu'on peut exploiter, et sur la notion de scoring, etc. Il y a tout un service marketing direct. Alors moi, qui n'est pas inclus dans les équipes, mais qui opère ces éléments de scoring et qui développe des solutions dédiées. Donc nous, vraiment, voilà, on va s'atteler à ce travail d'audience avec la DMP, nouveaux prospects, de prospects chauds ayant visité le site notre boutique en ligne ou nos sites autres avec un peu plus de programmes, etc. Donc on segmente de plus en plus et on fait pas mal de campagnes test and learn pour voir effectivement l'efficacité des unes par rapport aux autres. Pour vous, quelle est la limite numéro un des solutions que vous avez choisies, enfin, s'il y en a une, aujourd'hui que vous avez identifié, une limite qui serait peut-être forte dans le déploiement ou dans les prochaines étapes? Les limites, c'est un peu ce que j'expliquais. Il y a effectivement des biais où on ne récupère pas forcément toutes les données qu'on souhaiterait récupérer. Ça, c'est un sujet. Et puis, toute la vision multi-device, c'est pareil. Nous, quand on est sur de la prospection pure, c'est plus compliqué aussi. Et puis, c'est tout ce suivi technique, en fait, de maintien de l'outil, etc. Donc derrière, il faut effectivement, alors pas forcément une personne à temps plein, mais quelqu'un qui puisse gérer le bon transfert des données pour ne rien rater. Et ça, c'est vrai que nous, chez nous, il nous manque une personne pour tout ce suivi-là, en fait. Oui, moi, comme je l'ai dit, on est vraiment sur une approche full stack. Et la problématique majeure, c'est vraiment la reconnaissance de nos clients. Donc, on a encore des problèmes de taux de matching interne. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est quand nos clients se loguent, des fois, on n'est pas capable de remonter, de l'identifier clairement, de faire le lien avec nos données CRM. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore certaines parties qui sont un petit peu boîte noire dans la nébuleuse du SI, entre les méandres du SI B2B, entreprise, B2B pro PME et B2B grand public. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Normalement, on arrive à faire des extrapolations et on a quand même des insights, des métriques qui ont du sens statistique. Donc ça nous permet déjà, comme je vous l'ai dit, d'amener des preuves sur comme quoi le canal digital est au sens large, ad-centrique et site-centrique, a de la grande valeur dans notre relation client pro PME. Après, effectivement, si on veut aller faire des use cases vraiment très fins, de marketing one-to-one, il faudra qu'on passe par un meilleur matching. On arrive au terme de cette table ronde. Avez-vous éventuellement des questions dans la salle ? Bien, merci beaucoup. On dit déjà enfin. Merci. Merci.